Deux Camerounais dament le pion en français aux Français en France. Le Cameroun a été sacré au championnat du monde de Scrabble après une finale qui a été 100% camerounaise. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. En effet, le mardi 26 octobre, Eric Salvador Chouillot a remporté le titre de champion du monde de Scrabble en français, à Aix-les-Bains en Savoie, en France. C'est dans cette région ville française que les championnats mondiaux de Scrabble classique ont eu lieu. Pour cette finale, ce sont deux compatriotes qui se sont livrés à une bataille âprement disputée. Eric Salvador Chouillot, qui est capitaine de l'équipe camerounaise de Scrabble, faisait face à Amédée Assomo, président de la Fédération camerounaise de Scrabble. La première manche de la finale a été remportée par Amédée Assomo. À la deuxième manche, Eric Salvador Chouillot parvient à égaliser pour ensuite s'imposer finalement à la troisième et dernière manche. La dernière manche qui a consacré la victoire de Eric Salvador Chouillot a duré 20 minutes et elle s'est jouée sur deux mots, kawaii mignon en japonais, avec deux lettres valant 10 points chacune, le K et le W, et ordonnant, en 9 lettres. Le vainqueur, Eric Salvador Chouillot, est comptable de métier. Ce sacre est le premier pour un Camerounais au championnat du monde de Scrabble classique. Néanmoins, le Cameroun est déjà triple champion d'Afrique dans cette discipline. Les Falti Spiri restent intacts dans le sang des Camerounais. Mais l'ombre de Biapol attend absorber cette énergie vitale et continue d'absorber. Le jour où Dieu l'appellera, ça serait le début d'un décollage pour le Cameroun. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.